Bonjour, chers élèves. Quel animal représenté sur cette image? On a un coq. Coq commence par la syllabe co, C-O. Donc, pour écrire co, je dois écrire deux lettres, la lettre C et la lettre O. On commence par la lettre C. Et c'est écrit comme ça, une attache droite basse, puis une moitié de rond suivie d'un arrondi, comme ça. Le sens de l'écriture, comme ça. On a deux points de départ, le premier point et le deuxième point. Donc, deuxième sens, comme ça. On commence par tracer la lettre dans l'air. Encore une fois. Puis sur l'ardoise. Une attache droite basse. Puis une moitié de rond suivie d'un arrondi. Comme ça, c'est la lettre C. Maintenant, on va l'écrire sur le cahier d'exercice. On écrit tout d'abord la date d'aujourd'hui, mercredi 15 avril 2020. Puis j'écris la lettre C. On commence par le premier exercice. Je trace une attache droite basse comme ça plusieurs fois. Puis une attache droite basse suivie d'une moitié de rond comme ça. Puis une attache droite basse, suivie d'une moitié de rond, puis un arrondi comme ça. Une attache droite basse, une moitié de rond, suivie d'un arrondi. De la lettre entre deux interlignes seulement. C'est la lettre C. Mais quand j'ajoute la lettre A, ça nous donne K. CA se prononce K. CA se prononce K. CA se prononce K. Et CO se prononce CO. 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 Et CU se prononce Q. Q. CU. Q. CU. Q. Donc, K. Et. Co. Et. Q. Nous donne K. Et n'oubliez pas que CE nous donne le son ce et si nous donne si. Merci.